Des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilibre, livre audio. Sur la scène et autour, École de danse, le matin. 28 mai 1914. Une célèbre danseuse étrangère, salamandre un peu roussie de trop de flammes, forme à présent des jeunes filles à l'art de la danse. C'est sur une vaste scène, bornée de rideaux sombres, un charmant spectacle, et je me suis demandé pourquoi l'agrément s'en use si vite. De jolis enfants, scènes, en tunique blanche ou en pagne bigarrée, un choix de musique généralement heureux. Ça ne suffit donc pas? Cela suffit certes à une procession, à des tableaux vivants, à deux ou trois divertissements païens. Cela suffit à une pantomime, d'un comique enfantin et frais. Cela ne suffit pas tout à fait. Il me semble à la composition d'un spectacle de danse. On tente de nous apprendre, ici et ailleurs, que la danse, c'est la grâce, la jeunesse intacte, le voile qui épouse, au vent de la course, un corps demi-nu la ronde enivrée, la farandole où les pieds nus foulent des roses effeuillées. Ceci, nous dit on, c'est la danse, avec un grand dé, la danse éternelle. Nous arriverons peut-être à le croire si on insiste beaucoup car une autre éducation, qui date de loin, nous détache assez vite de la grâce pure, qui n'exclut d'ailleurs aucune monotonie, au profit d'une chorégraphie plus sensiblement acrobatique. Combien de spectatrices aux soirées que donne l'artiste étrangère et son école se disent avec froideur ravissant, mais au bout de trois semaines de leçons, je parie que nous pouvons figurer très honorablement là-dedans, ma fillette et moi. Nous n'avons plus les sens assez fins pour ne pas préférer le prodige à la beauté. Nous voulons le prodige, qu'il soit le fruit du don ou celui de la longue patience. Nous nous délecterions moins de la Karsavina, ensemble malicieuse et plaintive, si ses pointes inimitables, si sa légèreté de feuilles emportées, son tournoiement de calices détachés qui se vissent dans l'air, ne la tenaient éloignée du commun des mortels. La plus grande joie, chez nous, d'un célèbre danseur russe, ce ne sera pas d'avoir été un mime subtil, ni de porter en lui ce bonheur du rythme, d'imposer, lorsqu'il dansait, L'illusion qu'il dansait involontairement. Nous nous passionnons surtout pour le côté extra-humain d'une chorégraphie inaccessible aux forces normales. Ces bonds d'insectes, ces élans de jets d'eau, même ces embrassements singuliers d'anthropoïdes amoureux. Il est visible qu'on n'impose pas aux jolies fillettes de l'école étrangère l'apprentissage ardu des danses prodigieuses. Il est évident qu'elles obéissent à une fantaisie directrice, d'invention un peu courte, qui se trompe parfois. Car on pourrait les occuper mieux, ces anges anglo-saxons en chemise de nuit, qu'à souffler dans des trompettes de mail-coach une regrettable musique de Mendelssohn. Mais les calmes moments de cette soirée encadrent, rehaussent une stupéfiante minute, celle où fuse, de l'orchestre comme de la scène, le feu d'artifice de Stravinsky. La maîtresse du feu y invente, peut-être inconsciemment, sans décor, sans danseur, le véritable ballet de l'avenir. Nous voici loin déjà des premières révélations de l'œil fulleur de la femme lisse, de la femme papillon ou oiseau enchaîné à sa fournaise, agitant des ailes et des pétales. Sur la nuit sans étoile du feu d'artifice fleurissent soudain des roues embrasées, des serpents, des soleils, des fusées silencieuses. Les roues cheminent en tous sens. Inconcevablement, les serpents fulgurent et s'éteignent, la fusée crève en bulles d'or rose et vert, et cette reposante féerie, purifiée de toute présence humaine, ne dépend que de quelques chiffons trempés dans la lumière. Musique et vision, il n'y a rien de pareil à ceci, sauf ces peintures, qu'on n'a jamais copiées, que l'on hésite à décrire, et qui sont sous nos paupières fermées, les pétales, les guirlandes. Les astres brodés sur l'envers de la tente noire du sommeil. Métier de femme. Le matin, 2 avril 1914. Blanc de toutes deux, douze, treize ans. Elles ont de petites figures pâles, fines, très habilement et discrètement poudrées. Entre les longues anglaises de cheveux soignés. Un ruban bleu sur la tempe droite, un autre ruban bleu à gauche, au bord du béguin de velours noir attaché sous le menton. Les deux paletots, sacs solides et simples, s'arrêtent aux genoux. Les bas noirs, bien tendus, ne laissent rien deviner de la peau entre leurs mailles serrées. Et les souliers Richelieu à forte semelle brillent d'un cirage dûment brossé. Fosse mineure non, les bas seraient plus fins et la jupe plus indiscrète. Petite fille Mais les petites filles, les vraies, ne se promènent pas toutes seules par pair entre Saint-Augustin et la Trinité et ne passent pas d'un pied assuré le seuil des musicoles. Celles-ci que vient d'avaler le porche sombre d'une entrée d'artistes sont danseuses tout bonnement. Mais comme la chance les a faites, à dix huit ans, malingres et légères avec de gracieux corps qui ne veulent pas s'épanouir, petits lilas de jardin parisien, elles ont mis en exploitation leur misère, en ouvrières ingénieuses. Elles profitent honnêtement d'une vogue déshonnête, celle du numéro d'enfant. On les verra en boy, aux genoux nus, en naïf couple de gosses hollandais, en cosaques et en petites russiennes, dans toutes les danses. Dans tous les costumes qui soulignent leur agilité garçonnière, la sèche précision de leur corps sans chair. À la ville, à la scène, elles portent le costume de leurs bizarres conditions et s'en vont courvêtues, nettes, actives. Mais le passant qui s'y trompe ne se trompe pas deux fois. Renseigné par un regard, une mine revêche et pointue de chatte maigre. Les temps sont durs et rares les places, ne deviens pas caissière ou dactylographe qui veut. Résolument, raisonnablement, ces deux jeunes femmes-ci se sont établies petites filles.